Et oui, je suis là, je suis bon, je suis la malade, c'est moi. C'était une blague, vous avez vraiment cru. Je suis un cascadeur extrême, moi. Envoyez-moi un petit peu aujourd'hui qui sont, bien sûr, les participants de ce jeu d'intelligence en place. Et bienvenue dans le jeu de cerveau de Shoal Greer. J'espère que vous avez tous apporté votre cerveau. Ah non, j'ai oublié bien. Ah ouais, toi aussi. Ah, aujourd'hui, nous avons comme candidat Overspace, Polia Pro, Food Jumper et un autre, mais on ne le voit pas sur la caméra. Comment allez-vous? Oh, je dois choisir une catégorie. Eh, très bien. Alors, test de goût intrigué et artistique. Test de goût. Il a pris le test de goût. On est si près d'une question sur YouTube que j'y goûterai presque. Et bienvenue, on est sur SWTV, je vous rappelle. Alors, le processus de fabrication de fromage, il prend beaucoup, 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 beaucoup beaucoup d'étapes, d'accord. Alors, lequel des éléments suivants est utilisé dans le processus? Un outil de vache? Un outil de vache, une poêle, une bactérie. La bactérie, moi j'aurais dit. Je veux dire, outil de vache. C'est trop bien. Oh non. Vous êtes vraiment sérieux? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? C'est que des mauvaises réponses, dis donc. Vous avez vraiment ramené votre cerveau. Ah oui, on avait IU avec nous. Oh, j'avais raison. C'était la bactérie, bien joué, Flo Jumper. Bienvenue dans le jeu, prêt à choisir. Ah oui, une nouvelle personne est arrivée, très bien. Ok, donc choisissez les catégories, le non-sens circuitus, l'ami du zoo. Vous avez choisi l'ami du zoo, très bien. Pourquoi les choses continuent-elles d'évoluer en crabe? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Un banane? J'ai pas compris. Ah oui, c'est parce qu'il y a plein d'animaux qui, plus ils évoluent, plus ils fonctionnent comme des crabes à marcher sur le côté et on sait pas pourquoi. Ah, c'est trop drôle. Okay. D'accord, c'est un terme scientifique. Quel est ce terme? Oh, sérieux? Le crabe Raguedon. Le crabe rave. Moi, je dirais le... J'ai mis le 2, moi. Ouais, la carcinisation. Et pour l'instant, j'ai un point, moi. Attention! Oh, on dirait que c'est pas ton jour de chance! Oh! Oui, c'est une bonne réponse! Oh, bien joué! C'était la carcinisation, bienvenue! Tu vas devoir choisir une catégorie! Ok! Ah, mais je me parle à moi-même, exactement! Alors, parler des états, test de goût, probablement! Ah, bah, on va rester dans le test de goût! Moi, j'aime bien la nourriture! Certaines personnes n'aiment pas cette catégorie, mais je suppose qu'il n'y a pas de compte pour le goût! Parlons de la nourriture! Cette banane est exceptionnelle. Et sans les poser une question spécialité, voici Bordy, le smartboard. Oh, c'est le tableau intelligent. You all know me, you all love me. Je crois qu'il a la voix de Overspace, lui. Ah, vous me connaissez tous, mais vous m'aimez tous. Embarquez pour devenir plus intelligent, attention. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce prépulé est connu sous son odeur de division. What? Certaines personnes l'adorent, tandis que d'autres l'ont comparé à des eaux usées brutes. Ah oui, je connais, je connais. Je connais, oui, oui, il paraît que c'est une odeur de caca de fou. Quel est... Ah ouais, c'est quoi? Je crois que c'est le durian. C'est le durian. C'est le durian, ouais, c'est ça. C'est le durian. Oh, ça dans Zelda Breath of the Wild. Oui, oui, c'est ça. Oui, bah c'est ça, c'est le durian. Oui, mais il y a aussi ça dans Mario Sunshine. Pour info. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est comme ça que je l'ai connu. Et c'est une bonne réponse, le Jumper. Ouais, bien sûr, Overspace. Oh, les durians sont interdits dans certains hôtels ou autres publics en raison de leur odeur forte et durable, tout comme moi. Une banane pourrie, ouais. Je serai dans mon vestiaire, si tu veux un autographe avant le spectacle. Salut. Bienvenue dans le jeu. Qu'est-ce que vous allez choisir comme catégorie à IU? Regardez, c'est votre tour, allez, choisissez. On voit plus, moi. Bon, il va choisir quoi? Probablement géographique, zone mathématique, parler des états. Oh, pas mathématiques, s'il te plaît. Non. Je ne sais quand t'as qu'un 10. Connais-tu les tables du temps? C'est l'heure de la zone mathématique. Combien font 36 plus 4? Oh, sérieusement? Bah, ça fait 40. Il a pas répondu. Attends. 0. Au dernier moment. Oh non! Et c'est une faute! First place? Oh! Ah. Oh. Ah, en plus, t'as vu, t'as plus de points si t'as répondu plus vite. C'est intéressant. Ouais, très bien, très bien. Hey! Attends, il y a une orange. Hein? Il y a une orange qui l'appelle. On est toujours en direct sur SWTV. Regardez, c'est l'orange qui est là. Oui, salut la banane. J'ai une équipe. J'ai une petite question. Quoi de neuf? Vas-y, dis-moi. Oh. Mais tu vois ce que je peux faire avec ce couteau? C'est rien, les chocolats. Mais c'est quoi ce truc? C'est le public, ça. Bien sûr, vas-y. Oh. Wow, c'était impressionnant de voir à quel point tu as l'air de me lancer ça directement dessus. C'était pas fait exprès, n'est-ce pas? Ah, clin d'œil. Plus près, j'aurais été un kebab bananier. Allez, salut. Elle est énorme, cette banane.
C'est votre tour, Everspace. Alors dites-nous, quelle catégorie cool vous allez choisir? Aussi cool que vos lunettes? Ouh. Alors là, qu'est-ce que tu... Oh non, pas encore un truc scientifique! C'est la catégorie science, règle des sciences. Très bien. Alors attention, c'est quoi la question, la banane? Hein? What? Vous entendez ce bruit? Ça signifie que c'est ta chance de gagner un prix bonus. Tu vas obtenir une Twingo. Oh, tête de maille, tu vois, de pack. Oh, tu pourras mettre ça dans ton salon. Pourquoi il y a un truc ici? Ah, mon pied. Attends, quoi? Ok. Ah, je parie que tu ne peux pas ajouter ça à ta collection. Tu vas devoir répondre à cette question précisément. Qu'est-ce qui manque à ces étapes de la méthode scientifique? Observation, recherche, tester, analyser, signaler. Tu vas y arriver, espèce. Observation, recherche, hypothèse. Oh, c'est parti. Y'a quelqu'un qui a répondu avant moi. Attendez. Allez. Attention. Allez. Est-ce que c'est une bonne réponse? Allez. Tu sais quoi? C'est bon! Let's go! Oh, c'est trop bien, bien joué! Oh, c'est beau. J'avoue que j'ai mis une hypothèse derrière. Avec une statue. Oh! Tu dois d'abord proposer une hypothèse avant de pouvoir tester, voir si c'est vrai ou non. Évidemment! Bien joué! Oh là là, on est dans le classement là, on est bien! Allez! Oh là là, et tu obtiens un bonus! J'adore les bonus! Ah, question pour toi, mon ami à la casquette et à la guitare. D'ailleurs, tes lunettes ne vont pas du tout à ta tête. Oh, grande lessive, quoi. Yeux sur les prix. Oh, yeux sur les prix, il va falloir donner des prix à des objets, je pense. Ah, tu crois le juste prix? Ouais, juste prix, ouais, peut-être. D'ailleurs, il a un petit logo MTV, t'as vu. Oh non, toi. Il va falloir donner le prix d'un des objets de la boutique. Oh, j'en étais sûr. Ok, donc c'est des kits dans les hobbies, c'est ça? Ah bah, vraiment, il y a une compagnie, ouais. C'est 400 Robux, hein. Je me suis fait arnaquer plein de fois avec les tapis, hein, multicolores. Je le sais. Ok, donc moi aussi, j'ai déjà fait ma vie. Quel est le nom de cette compagnie? Acme. Ça, c'est vrai. Studio de pelle. Ah bah oui, c'est Chauvel, bah oui, exact, oui c'est ça. Mais oui, c'est Chauvel, machin. Non. Tu ne peux pas dire ça à la télé. Il y a même des bonbons dans le public. Non, c'était pas ça. C'était Lazy. Oh mais non. Bon ben. Bon ben, on a perdu des points. Oh, c'est à moi. Ok. Alors. Utilise l'appareil juste devant toi pour choisir la catégorie. Tu verras, c'est facile. Je vais choisir. C'est éclairer femme. Je sais pas ce que c'est, du coup j'ai trop envie de le prendre. Il est temps de passer un test. Oh oh, à quel point êtes-vous bien lu? Mon ami sur internet est super dans le fandom de Sir Arthur Conan Doyle et continue de me déranger pour lire des livres de Sherlock Holmes. J'ai essayé d'en choisir un hasard, mais ils ont insisté pour que je commence dès le début. Je ne sais pas lequel c'est. Le tout premier titre du livre Sherlock Holmes. Oh là là. Moi je dirais le chien des Baskerville. Moi j'aurais dit l'aventure de la bande mouchetée. Et tu le feras mieux la prochaine fois. Allez. Oh ah, y a personne qui a une bonne réponse. Choisis une catégorie, n'importe laquelle. Ouais, je vais choisir mathématiques. Il va choisir mathématiques. Il va choisir. Ou il va peut-être rien choisir. Et après l'événement mémorable. Histoire. Ah exactement, oui c'est l'histoire. Certains peuvent essayer de prétendre que toute la situation est une longue histoire en cours d'écriture. Mais en réalité, ce n'est qu'une série d'événements mémorables. Ok, très bien. Que... Wow, une série d'incidents très intéressants du voyage dans le temps, vous venez d'oublier, je suis coincé dans les premiers 1900 et je dois me rendre à bord. Okay. Quelque chose de pas cher, tu sais, les voitures sont probablement assez tôt dans le développement de cette période. Quelle est la première voiture abordable? Oh là. Une Twingo. Je crois que c'est la Model T de chez Ford. Ah, tu crois? Moi j'aurais dit La coccinelle. Non, c'est pas la coccinelle, c'est trop cher. Tu viens de te taper la honte. Non. Au prochain. Allez. C'était la Model T, effectivement. Oh, c'est bon, je viens de te doubler d'un point. Tu viens de me doubler d'un point. Attendez, il y a l'orange. Et c'est une autre question. Ils sont où les toilettes? Il est sérieux, lui? Ah, c'est dans le hall. Après, au niveau des escaliers. Et tu prends deux à gauche, et une fois à droite, et ensuite trois à droite, et tu redescends en bas. Voilà. Et prends le tramway jusqu'au studio 2, et ça sera sur ta droite. Ok, merci. Hop là. Bon bah, je vais attendre, je crois.
Et c'est ton tour de prendre des catégories encore. Faut que je double ma espèce. Règle scientifique, non sans ce qui tue, c'était clairement. Alors, okay. je sais pas ce que c'est. Bêtises sans paillettes. Insérer des bêtises ici. Ding. Ding dong. C'est ding dong. T'imagines, c'est pas ça. Et au tu moins, as passé. Tu as appuyé sur le bouton. Ah, oh bah moi non plus. C'était ding dong. Cookie, d'accord. Ok, super. Question, c'est marrant. C'est à ton tour de choisir une catégorie, mon ami. Attention, ami du zoo, trimplane. Ah, oh, c'est les voitures, les trains, l'automobile, les yeux sur les prix. Ouh, j'avoue que c'est chaud, hein. Il va choisir quoi, attention. Ami du zoo. Wow. Allez, faut qu'on double l'espèce. J'ai hâte de voir le fameux dodo qui s'envole. Et les dodo, c'est les poulets. Ouais, c'est ceux qui savent pas voler. Y'en a plus. Il y en a plus d'une centaine d'années. Oui, oui, exactement. Quel est le mot utilisé pour décrire quand la population d'une espèce est complètement anéantie? Il commence par un E. Extinction. C'est éteinte. C'était enchanté. Enchanté. Ok, attention. Et on est là la prochaine fois. Oh oui. Ok, yeah, bien joué. Bon, et du coup, on a égalité. On a égalité. Alors, on va prendre Studio de l'appel, non? Règles scientifiques, intégrité artistique. Règles scientifiques. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Ces questions sont tellement scientifiques. What is the quelle est la branche de la science qui indique les interactions et changements de matière? Alors là, qu'est-ce que c'est? Physique, cosmique, astronomique, chimie. Astronomie, non? Cosmo. Moi, j'ai cliqué tout de suite. Non. J'espère que je me suis pas trompé. J'ai pas eu bon. Non! Oh non! Non! Quoi? Ils m'ont rattrapé! Oh non! C'était la chimie! Ah! Ok, attention! Ça sent la fin! Ça sent la fin! Non sans sécutisme, monumentaux, événements mémorables. Monumental. Ok, les monuments mémorables! Mémorables! Comment appelle-t-on l'échafaudage triangulaire à Paris? Un escabeau! Alors, non, je peux aller pour La tour penchée de Pise est l'un des bâtiments les plus célèbres au monde, remarquable par sa pente iconique et éponyme. Combien de temps a-t-il fallu pour qu'il soit construit? T'aurais dit quoi, toi? Mais 27, bah alors vraiment sans conviction. Ouais, ça me paraît. 51 ans, ça me paraît beaucoup, hein. Ouais, c'est peut-être 13, mais. Ouais, je vais mettre 13, mais pas sûr. Vraiment pas sûr. Tu viens de te taper la honte! Oh là là! Oh non! Oh non! C'était. Mais c'était quoi? 199 ans pour faire la tour de Pise? N'importe quoi! C'est vrai ça? Mais c'est incroyable! C'est un pilier le truc! Oh le prix incroyable, le gagnant! Et il y aura un hot dog qui danse! Hey, wow. Allez les gars, faites un effort! On essaie de faire une émission! Allez! Attendez, mais c'est ça le prix? Mais ouais, c'est un hot dog qui danse, le cadeau! Mais c'est juste un mec qui vend hot dog! Non, non, ça peut pas être ça! Non! Il y a une erreur, technicien là! C'est le neveu du présentateur! T'as vu, c'est un crise d'acier, on dirait! De Pokémon! Mais quoi? Il devrait être dans le public, n'importe quoi! Rappuie pas sur la corde, hein, s'il te plaît, t'arrêtes! Hein. Mais non, mais c'est, je t'avais dit de pas appuyer sur la corde! Il est retiré ici! Mais quoi? Allez, Kevin, arrête! Ferme le rideau! C'est une planque ou quoi? C'est une blague? Non, mais oh! Je sais d'arriver à quelque chose! Pour ce s'il te plaît! Ne rouvre pas la corde une fois! S'il te plaît! Merci, Kevin, merci! Rappuie pas sur la corde! D'accord? Ce serait bien qu'on ait un prix normal après tout, hein! Là, c'est juste un gars là! Ok, laisse-le tranquille! Ok, très bien. C'était un hot dog dans ça. Allez, oh, tu crois qu'il va y avoir un vrai prix maintenant? Allez, montre le vrai prix maintenant, s'il te plaît. Et attention! Eh, c'est un hot dog dans sa guitare! C'est peut-être la guitare qu'on va gagner! Ah ouais, trop bien! Bah, la personne à côté de moi a déjà une guitare, il aurait kiffé lui avoir ça. Ah. Eh ouais! Oh, trop je deviens vraiment trop vieux pour ce genre de blague, je ne comprends rien du tout. Oh, t'as bien? Tu t'appelles vraiment le neveu, c'est ça? C'est ça, c'est ça ton vrai prénom. Bon, c'est pas grave, t'as raison. On veut la guitare! Je sais que tu peux m'entendre! Il a fermé! Oh, et c'est reparti! Ah, mais là, c'est. Un tatouage, peut-être, non? Dancing hot dog! Ouais, c'est wow. ça! Waouh! Le présentateur, il est tué! Ah, ouais, non, mais il en veut plus, hein! C'est toujours le hot dog dansant! Regardez! Ah! Ce prix n'est pas super, les gars! Hein? Est-ce qu'il n'est pas super? Faisons ressortir notre grand champion! C'est qui? Oh, c'est toi! Félicitations! Tu es gagnant du jeu! Merci beaucoup! Bien au
corps dans la foule, c'est mon cousin. Roger, oh là là, et voilà les amis. C'était le concours d'intelligence de Roblox. On espère que ça vous aura plu. C'est Camille, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus à notre émission. Ça nous ferait très très plaisir. N'oubliez pas de nous abonner bien sûr à nos chaînes des deux concurrents sans cerveau. Avec cerveau, avec cerveau. Et aussi du coup, à très bientôt pour la banane partie. Allez, ciao tout le monde.